m'appelle Lucas et je suis jeune reporter international de l'AVF. Je suis ici pour vous présenter le site naturel de Fakra qui accueillera la journée montagne de la 9e édition des Jeux internationaux de la jeunesse. Vous pouvez apercevoir derrière moi le pont naturel qui sera le support d'une épreuve d'escalade. Maintenant, parlons du pont naturel. Ce bijou de la nature s'est formé au fil des années grâce à l'eau. Aujourd'hui, le pont atteint plus de 50 mètres de large et 62 mètres de hauteur. La zone est protégée et les athlètes ont beaucoup de chances de pratiquer dans ce lieu unique. Lors de l'épreuve d'escalade, l'objectif sera d'accéder au sommet des voies le plus rapidement possible. Mzar Kfar Debian est un domaine skiable. Le domaine atteint en tout plus de 80 km de piste et les amateurs de ski peuvent y pratiquer leur activité favorite entre 1850 mètres et 2465 mètres d'altitude. Un site archéologique est aussi situé dans la magnifique région de Kfar Debian. Celui-ci comporte plusieurs constructions, dont un temple, une tour et un grand sanctuaire datant de l'époque romaine et byzantine. Ce site antique accueillera une épreuve culturelle lors de la journée montagne. Une course en montagne et une épreuve de tir à l'arc sont également au programme de cette journée. Première journée de compétition qui va mettre à l'épreuve tous les participants, même le plus aguerri aux pratiques sportives de pleine nature.